Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Algérie et Sahara marocain. Rissouni, le savant religieux préfère démissionner plutôt que de changer son opinion sur sa conviction et sa prédisposition à marcher sur Tindouf, la ville marocaine occupée par le régime algérien et utilisée comme un camp pour armer des terroristes séparatistes du Polisario qui menace la sécurité des Marocains et cherche à toucher l'intégrité territoriale du Maroc. Une information qui nous vient il y a juste un instant, mais avant d'en parler, je vous rappelle de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à voir et écouter les nouvelles informations. Bonjour. Ahmed Rissouni annonce sa démission de la présidence de l'Union internationale des ulamas musulmans. Dans un communiqué diffusé il y a juste un instant, Ahmed Rissouni annonce avoir présenté sa démission de la présidence de l'Union internationale des ulamas musulmans. En pleine polémique due à ses récents propos sur le Sahara, le président de l'Union internationale des ulamas musulmans, Ahmed Rissouni, a décidé de ne plus assumer ses fonctions. Me tenant à mes positions et opinions fermes et intransigeantes, et afin d'exercer ma liberté d'expression sans condition ni pression, j'ai décidé de présenter ma démission de la présidence de l'Union internationale des ulamas musulmans, a-t-il écrit dans un message diffusé ce dimanche 28 août 2022. Ahmed Rissouni affirme être actuellement en concertation avec le secrétaire général de l'Union internationale pour rendre sa démission effective conformément aux dispositions du règlement intérieur de cette organisation. Dans une interview qu'il avait accordée le 29 juillet dernier à un média, un discret site d'information, le savant religieux ultra-conservateur marocain avait eu à répondre à une question sur sa position quant à la gestion par le Maroc du dossier du Sahara. Personnellement, je me revendique de l'héritage de Halal el-Fassi et je ne m'en suis jamais caché. L'existence même de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit revenir à ses frontières, les frontières d'avant-colonisation européenne, si le lien qui unit les populations du Sahara marocain est celui de l'allégeance, celle des tribus mauritaniennes envers le trône est également établie. C'est ce qu'avait affirmé Ahmed Rissouni, selon lequel le dossier du Sahara est une création colonialiste et malheureusement des pays frères, tout aussi arabes et musulmans que le Maroc, ont été complices dans cette tentative de division en soutenant et en adoptant cette pure vue de l'esprit, avait-il déclaré. Ahmed Rissouni avait ensuite rappelé une évidence que les Marocains en partagent. Au Maroc, nous sommes 35 millions et le peuple marocain est prêt au jihad et à la mobilisation. C'est ulama en premier, que ce soit par les moyens financiers ou le sacrifice de soi, pour en finir avec les espoirs de ceux qui veulent couper le pays de son Sahara, car selon le leader islamiste, comme cela a été le cas pour la marche verte, nous sommes prêts, nous serons des millions à marcher sur Tindouf si le roi nous le demande. Ces propos avaient eu l'effet d'une véritable bombe en Algérie. La junte militaire s'était affolée et la presse qui lui est soumise avait crié au scandale. Voilà donc que Rissouni préfère laisser tomber son poste prestigieux international plutôt que de changer son opinion sur sa prédisposition à marcher sur Tindouf, la ville marocaine occupée par le régime algérien et utilisée comme un camp pour armer des terroristes
des séparatistes du Polisario qui menacent la sécurité des Marocains et cherchent à toucher à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.